Julien Alaphilippe et Marion Roux sont plus amoureux que jamais. Depuis la naissance de leur fils, Nino, ils n'ont pas eu l'occasion de passer beaucoup de moments ensemble. En effet, seulement quelques jours après être devenu papa pour la première fois, Julien Alaphilippe s'est lancé à la conquête du Tour de France. À la fin de la grande boucle, c'est Marion Roux qui a repris ses activités de présentation lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Tous les deux sont maintenant en vacances avec leur petit garçon, ils ont bien l'intention de profiter de lui et de le voir grandir. D'ailleurs, mardi 17 août 2021, Marion Roux était la reine de la journée. Elle a célébré ses 30 ans accompagnée des deux hommes de sa vie. Pour cette belle occasion, le cycliste professionnel a voulu lui souhaiter un très bel anniversaire. Sur son compte Instagram, il a partagé deux photos, une première de Nino avec sa belle maman et une seconde de la jolie petite famille. Joyeux anniversaire ma Marion Roux, love you. A simplement écrit en légende Julien Alaphilippe qui est très fier de la maman Quest devenue sa compagne. Il faut dire que même si elle venait tout juste d'accoucher, elle n'a pas hésité à monter dans un camping-car pour le suivre lors de son tour de France avec leur nourrisson. Ainsi, le cycliste a pu tout de même profiter de son fils lors de ses premiers jours de vie. Comment s'appelle le fils de Julien Alaphilippe et Marion Roux? Depuis qu'ils sont ensemble, Julien Alaphilippe et Marion Roux ont vécu des moments parfois difficiles entre les confinements et leur vie à 1000 à l'heure. Mais leur amour, aussi récent qu'il soit, a su résister et a même été consolidé par la naissance de leur Nino, le fruit de leur amour. Les tourtereaux feront toujours tout ce qu'ils peuvent pour rendre heureux leur petit garçon.